Regardez, vous le voyez, vous le voyez aussi, hein? Je l'ai expliqué déjà. Et regardez, le mabria, quand il marche après, il fait quoi? Il lève la tête. Il lève la tête au repos. Le voilà le mabria. Il a levé la tête ici. Le voilà. Levé la tête, il s'en va vers quoi? Il s'en va vers. Regardez. C'est ma mère, c'est le propriétaire. La maison, c'est quoi? La maison, c'est ça qui est la bouche. La porte de la maison. Lève sa porte. Lève la bouche, c'est la porte. Ceci, vous voyez ceci? Ceci, vous voyez clé. C'est que la clé ne doit comme pas ouvrir. La clé ouvre quoi? La porte. Lève, c'est la porte. La maison, c'est la bouche. La bouche, le ventre, tout ça. C'est comme ça. Et les yeux, c'est le propriétaire. Et quand un visiteur vient là, il vient taper à la porte. Et là-bas, la porte, le porteur va sortir. Il va sortir pour ouvrir la porte. Le voilà, il est sorti. Ouais, ma la pomme là, avec les cils, tout ça là, les cils vont représenter sa queue. Il est sorti, et puis il fait quoi? Il a levé la tête. Il a levé la tête comme ça. Là, la tête est levée là. Il a levé la tête, et puis là, il a ouvert la porte. Il a ouvert la porte. Le M, le nez. Regardez dans le nez, le nez c'est un nerf. C'est nerf. M là c'est quoi? M c'est quoi? C'est B, c'est 1, c'est 13. M est la plus 13 de l'alphabet. 13 c'est quoi? 1 et 3 séparés. 1 et 3, ben, 1 et 3, soudé, c'est ça qui est B. C'est ça qui est quoi? C'est ça qui est la bouche fermée. La bouche fermée. Il a un 3 là, regardez. La lèvre supérieure, c'est là un 3 là. Vous voyez le 3. La lèvre inférieure, c'est ça qui est le 1. Quand c'est fait, quand la bouche est fermée, ça fait quoi? Ça fait B. 1, 3, fermé, 1, 3, soudé. Et vous dit bouche B. Maintenant, le propriétaire, le mabia, il est sorti. Quand un visiteur a tapé la porte, il est sorti et il a fait M. M, ça veut quoi? Un fois, c'est pareil. C'est-à-dire, il a ouvert la bouche. Il a séparé les deux lèvres. Et vous voyez aussi, en bas de M là, vous voyez quoi? Un Q ici et puis un P ici. Il a un queue, ouais, il a toujours un trait vertical là, ici. Donc ici, il se forme avec cette fosse nasale là, c'est comme ça, c'est le queue ça, on voit bien, hein? Et ici c'est le P. Queue, voilà un P. Queue et P, c'est deux personnes qui se font face à face. Alors, vous regardez, voilà queue, voilà P, voilà queue, voilà queue. Ils se font face à face. Donc c'est lui quoi? C'est lui le propriétaire qui est sorti, qui a ouvert la porte. C'est lui qui est le cul là, qui est en train de parler à quoi? À P. P est le business qui a tapé la porte. Et le nez, ça comme c'est M. M pour dire quoi? Il aime le business. M quoi? M est la personne 13 dans le bambin et dans le courant. 13 dans le courant, vous voyez quoi? Tonnerre. Il aime quoi? On peut quoi? Regardez T, un patron il dit T, il a la fonction 20 de la famille. Et 20 s'appelle 1 plus 1, 19. A la fonction 1 s'appelle A, la fonction 2 s'appelle S. Donc T s'appelle quoi? S'appelle AS. Donc quand je fais la lecture comme ça, il voit quoi? A comme quoi? Appuyer, il aime qu'on appuie sur quoi? Maintenant S avec le S, ça s'appelle sonnerie.
S-O-R, a pessoa aí.